Docteur Wotfa Ben Ayed Chilif, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour cher auditeur. Alors le ministre de la Santé instruit ses structures pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité des médicaments. Si on en est arrivé là, d'attendre une instruction du ministre, est-ce que cela signifie qu'on est dans l'incapacité de régler définitivement ce problème récurrent? Madame Ben Ayed Chilif. Merci Madame Sohila. Monsieur le ministre de la Santé a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre à la disposition des malades les médicaments. Vous savez, Madame Sohila, que les programmes d'importation 2017 ont été étudiés et signés pour les produits déclarés et classés essentiels. Rester les produits qui sont fabriqués localement et qui sont demandés à la protection, c'est ceux-là qui ont vraiment tardé pour la signature des programmes d'importation. Mais ces ruptures de médicaments sont récurrentes. Ce n'est pas la première fois où ce problème se pose, Madame Ben Ayed Chérif. Est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes à mettre en place de telle sorte à régler définitivement cette question, ou alors elle est volontaire? De part et d'autre, Madame Ben Ayed. Pas volontaire, ça c'est sûr. Mais vous savez, Monsieur le ministre de la Santé a installé une cellule de veille qui a été redynamisée au mois de juillet, août 2018. Des réunions ont eu lieu avec les représentants de la cellule de veille. Cette cellule de veille, justement, elle est représentée par le président du Conseil de l'Ordre, les présidents des différentes associations des médicaments, la présidente de l'association de distribution et le SNAPO, avec les cadres du ministère de la Santé. On a fait plusieurs réunions. La cellule de veille va fournir des recommandations, mais le ministère de la Santé il n'a pas attendu, il a pris des mesures. Et là, on a préparé des avenants au programme d'importation 2017 pour justement combler ces insuffisances et ces ruptures. La liste a été analysée et les avenants au programme prévisionnel d'importation ont été accordés. Mais les avenants, si on en est arrivé aux avenants des programmes additionnels d'importation des médicaments, est-ce que cela signifie que quelque part, quand on fait des prévisions, elles ne sont pas, c'est-à-dire, faites de telle sorte à assurer toute la disponibilité des médicaments? Est-ce qu'il y a des failles au niveau des programmes d'importation? Je disais que pour les programmes d'importation pour l'exercice 2017, les produits qui sont classés essentiels, les programmes ont été signés à temps. Qu'est-ce que vous entendez par essentiel et facultatif? C'est les produits essentiels sont les produits dont le service médical rendu est classé majeur et important. Ces produits-là, les programmes d'importation ont été signés dans les temps. Restaient trois catégories de produits. Il y avait les produits qui sont fabriqués localement, et là on était obligé de vérifier l'état des stocks et vérifier également les capacités de production au niveau des sites de production. Une fois qu'on a eu le résultat de ces inspections et de ces paramètres, on a signé les programmes d'importation en fonction des quantités restantes et qui, bien sûr, couvrent le marché national. Les produits, il faut savoir aussi que nous, au ministère de la Santé et autorités, on est là pour promouvoir, encourager et protéger la production nationale. D'ailleurs, on est en train de faire un lobbying pour aider les producteurs nationaux à exporter leurs produits, notamment en Afrique. Et pour la deuxième catégorie de produits, on a les produits dont l'SMR, service médical de rendu faible, où l'effet thérapeutique n'est pas classé majeur. Ces produits ont été étudiés au cas par cas, et là on a libéré justement les programmes d'importation pour ces produits. Concernant l'exercice 2019, Monsieur le ministre a donné des instructions fermes pour la bonne exécution de ces programmes d'importation pour l'exercice 2019. Et là, il y a une note qui a été affichée au mois de juillet, et on a donné aux opérateurs pharmaceutiques un délai de 2 mois jusqu'au 30 septembre pour pouvoir déposer leur programme d'importation. Et
jusqu'à présent, il y a 85% des programmes d'importation qui ont été déposés. Les 15% restants, on a fait une prolongation d'une semaine pour permettre aux opérateurs pharmaceutiques de déposer tous les programmes d'importation. Ce qui est relevé aujourd'hui, c'est que la facture d'importation de médicaments annuellement avoisine les 3 milliards de dollars. Entre rationalisation, rationaliser la dépense du médicament, protéger la production nationale, tel que vous êtes en train de le dire, et là pour vous mouvoir, est-ce que ceci doit se faire au détriment de la santé publique, c'est-à-dire en favorisant pratiquement, indirectement, même si ce n'est pas volontaire, l'indisponibilité des médicaments? Pas du tout, Madame Sonia. Puisque maintenant, si on se réfère à Dr Ben Bahmet, qu'on a reçu il y a quelques temps, il n'y a pas moins de 200 à 250 médicaments qui sont manquants sur le marché. Vous savez, Madame Sophie Lalhashmi, quand on a reçu la cellule de V, il y avait une liste qui nous a été, une liste de produits qui ont été déclarés en rupture. Elle a été analysée et sur cette liste, ce n'est pas tous les produits qui sont en rupture, c'est la marque qui est en rupture. Parce que quand on vérifie nos états de stock, la molécule existe, c'est la marque qui n'est pas disponible. Et là, on est obligé de protéger la production. Il faut te revoir avec les prescripteurs également, les médecins? Oui. Oui, ils doivent promouvoir la production nationale et prescrire les produits qui sont fabriqués localement. Mais je veux dire également que pour les programmes d'importation, ils sont traités en fonction des besoins du marché national. Ils sont revus en fonction de plusieurs facteurs. On a le nombre de naissances, la prévalence des pathologies et le dépistage. Bien sûr, avec ça, une croissance du marché du médicament est tout à fait naturelle. Alors, actuellement, vous êtes à cheval sur deux entités, celles relevant directement du ministère de la Santé, c'est-à-dire vous avez remplacé l'ancien directeur de la pharmacie qui était M. Hafot, qu'on recevait régulièrement dans l'invité de la rédaction, et vous êtes depuis 2 ans, cette fonction nouvelle, ça fait depuis 3 mois, et vous avez une fonction ancienne qui est de 2 ans pratiquement à la tête de l'Agence nationale du médicament. Est-ce que vous considérez que l'agence doit jouer son rôle de telle sorte à assurer et avoir une plus grande visibilité, puisque dans l'ancien texte, vous étiez une agence totalement indépendante, et avec la nouvelle loi sanitaire, vous êtes sous tutelle du ministère de la Santé? Alors, l'agence a été installée en décembre 2016, donc je suis à la tête depuis décembre 2016, et là, je suis au niveau de la direction de la pharmacie depuis le mois d'avril, ensuite juin, en remplaçant Dr Hafot. Je suis au ministère de la Santé dans le cadre des transferts d'activité de la direction de la pharmacie vers l'agence. Et l'agence, c'est sûr qu'elle jouera un grand rôle dans la disponibilité des médicaments à l'agence. Mais c'est tout ce travail, est-ce qu'il doit être confié directement à l'Agence nationale du médicament et ne plus être attaché par une direction au niveau de la santé? Parce que là, on a tendance à penser qu'il y a chevauchement de prérogatives entre l'un et l'autre. Non, ce n'est pas un chevauchement, c'est juste un transfert d'activité de la direction de la pharmacie vers l'agence. Alors, je voudrais revenir avec vous un peu sur cette indisponibilité de certains médicaments. Vous avez donné quelques indications en disant qu'il y a eu la cellule de veille qui a été installée, qui va la redynamiser, qui a été mise en place l'an dernier et qui a été relancée cette année. Il y a eu pas moins de 3 réunions, je crois, entre septembre tout et octobre. Fait, tout à fait. Et là, est prévu pour demain, Inch'Allah. Notre réunion, c'est demain. Il y a eu également des instructions fermes qui ont été données par le ministre pour assurer la disponibilité entre 2018 et 2019. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution définitive? Après 2019, on va retomber dans le même problème? Non, 2019, justement, on est en train de rédiger les procédures pour remédier à tout ça. Quelle est la stratégie à mettre en place pour le médicament? Monsieur le ministre de la Santé, il est à cheval pour la bonne exécution de l'exercice 2019. On a donné suffisamment de temps aux opérateurs pour déposer leur programme d'importation. Et l'étude, elle va se faire selon des procédures écrites et publiées. Et remédier, Inch'Allah, à toutes ces problématiques. Promouvoir la production nationale. Quel est le niveau de la production nationale aujourd'hui? C'est les mêmes chiffres, le niveau de la production nationale par rapport à l'importation? Le niveau de la production nationale, donc vous savez qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont installés maintenant, il y a plus de 80, il y a d'autres qui sont en train de mettre en place leur usine. Ils sont maintenant passés à la production de produits essentiels, en l'occurrence l'oncologie, et la production nationale évolue très bien, Madame la Sauvage. Alors si on se réfère un peu aux chiffres,
par rapport à l'importation du médicament, on relève que pour 2018, il y a eu une hausse sensible quand même de la facture d'importation. Les chiffres communiqués par le CNIS, c'est-à-dire le Centre National des Douanes, nous indiquent que pour les premiers mois de l'année en cours, il y a eu l'équivalent de 1,474 milliards de dollars d'importation de médicaments contre 1,259 milliards de dollars la même période l'année 2017. Il y a eu hausse des importations en facture et il y a rupture sur le marché. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a pas, la hausse elle est tout à fait naturelle, Madame Sorilla, du moment que les besoins du marché sont revus en fonction de plusieurs facteurs. J'ai cité tout à l'heure, donc vous avez le nombre de naissances qui a augmenté, une prévalence des pathologies et bien sûr le dépistage. La croissance du marché, elle est tout à fait naturelle, Madame Sorilla. Pardon ? J'ai dit que toute la croissance du marché, elle est tout à fait naturelle, Madame Sorilla, en fonction de tous ces paramètres. Mais comment on peut l'expliquer, Madame Pedemiel? Est-ce que c'est parce qu'on consacre plus de dépenses pour la PCH, qui aussi prend en charge toutes les maladies au niveau de la pharmacie hospitalière, ou alors par rapport à la consommation et le nombre de pathologies qui est engagé? Il y a la consommation, le nombre de pathologies, et aussi, selon les orientations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, on ne lésine pas sur les moyens quand il s'agit de la santé du citoyen algérien. Alors, Madame Watfa Ben Ayed Chérif, je voudrais revenir avec vous sur un peu les programmes additionnels d'importation qui vont être signés d'ici, normalement, le mois de décembre prochain. Combien de programmes ont été signés, globalement ? Les programmes additionnels, on les a signés, les avenants, on les a signés. Les programmes prévisionnels 2019 qui vont être signés avant la fin de l'année, Inch'Allah. Qui seront disponibles ? Qui seront disponibles. Les programmes additionnels, ils ont été signés... déjà signé, et on va les remettre aujourd'hui aux opérateurs. C'est dans le cas aujourd'hui. Oui. Et pour les programmes prévisionnels 2019, le dernier délai c'est le 7 octobre, et ils seront signés inchallah dans les délais, inchallah. Mais entre la date de signature et l'importation, il faudrait 3 mois. Mais est-ce que les commandes sont faites dans les délais pour les laboratoires? Parce que médicalement c'est pas comme ça. Oui, mais généralement, vous savez, les opérateurs maintenant sont devenus quand même responsables et professionnels. Ils ont des directeurs techniques qui sont pénalement responsables et ils prennent en considération tous les délais pour la mise à la disposition du malade les médicaments. Certains disent aujourd'hui que certaines pénuries sont provoquées, elles sont volontaires parce que le marché du médicament est extrêmement lucratif. C'est une enveloppe pas moins de 3 milliards de dollars annuellement. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? C'est pas le cas parce que vous avez à la tête maintenant, à la tête des opérateurs pharmaceutiques, des gens quand même responsables et professionnels. Et par rapport à la disponibilité des médicaments au niveau de la PCH, c'est le même principe, vous assurez que tous les médicaments sont disponibles au niveau de l'Agence nationale du médicament? Tout à fait, Madame. Alors j'enchaîne sur la question de l'auditeur qui vous dit « Je suis chirurgien dans un CHU et les antalgiques et les anti-inflammatoires sont absents actuellement. » Pas du tout, Madame Sorilla. On a les stocks au niveau de la direction de la pharmacie qu'on vérifie tous les jours. Et les stocks, ce n'est pas nous qui les donnons, c'est l'opérateur lui-même qui est là et qui dépose mensuellement les états de stock. Les antalgiques et les anti-inflammatoires sont des produits qui sont fabriqués localement. Alors, autre question que je voudrais vous soulever avec vous, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à la disponibilité entre les stocks existants et l'importation, il n'y a pas une grande traçabilité. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avoir une véritable traçabilité sur les stocks, puisqu'on a eu le docteur Ben Mohamed qui disait « Nous sommes en train actuellement de consommer sur les stocks de sécurité ». Alors pour, qui n'excède pas les 3 mois. Pour vérifier justement la disponibilité des stocks, on procède à des inspections également. Et le pharmacien, il est responsable de ce qu'il avance. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre en place des codes à barres pour les médicaments de telle sorte à avoir une meilleure visibilité et traçabilité? Les codes à barres, on a déjà fait un travail avec la sécurité sociale il y a quelques années, mais il faut informatiser tout le système pour pouvoir utiliser ces codes à barres. Alors, une question d'un auditeur qui vous dit « Beaucoup de molécules manquent, notamment pour les malades chroniques. »
Pas du tout, c'est pas les molécules, c'est pas les molécules qui manquent, c'est les noms de marques qui manquent, tout simplement. Alors, et la plupart des produits des maladies chroniques sont fabriqués localement, en l'occurrence les antihypertenseurs, les antidiabétiques. Alors, une fois que tous les dossiers seront transférés à l'Agence nationale du médicament, quelle stratégie faudrait mettre en place pour éviter que ce problème ne se reproduise à l'avenir, Madame Benayed Chili, puisqu'on sait que déjà sur les documents, l'Agence du médicament devait être effective déjà depuis le décret signé par l'actuel Premier ministre, M. Ouyahia, en 2008. Tout à fait. Pour la stratégie de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, justement, c'est de rédiger des procédures, de les publier et les appliquer. Entre importation et production, comment avoir une meilleure visibilité, puisque vous dites que notre priorité aujourd'hui, c'est de promouvoir la production nationale, même si on sait que les producteurs, ce sont eux-mêmes des importateurs. Là aussi, ça pose un problème. Pour cette question-là, les producteurs nationaux, pour avoir une meilleure visibilité, c'est la traçabilité, le suivi, les inspections. Mais est-ce que le fait que ce soit les producteurs soient eux-mêmes les importateurs ne pose pas de problème? On peut favoriser au niveau de son usine l'importation parce qu'il est plus facile d'importer que de produire. Je ne pense pas, Madame Souhila. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la tête des opérateurs pharmaceutiques, c'est des gens qui sont très professionnels et très responsables. Est-ce qu'on peut considérer que la production nationale, il pourrait y avoir de grands laboratoires internationaux qui pourraient s'intéresser au marché algérien et s'installeraient? Il existe déjà des laboratoires internationaux. Bon, je ne donne pas les noms pour ne pas faire de la publicité, mais on a de grands laboratoires qui se sont installés en Algérie. Alors, autre il y a des principes qui sont fabriqués en Algérie. Comment mettre aussi de l'ordre entre les producteurs, les revendeurs, c'est-à-dire les pharmaciens, les importateurs et les grossistes? Certains disent qu'il y a 500 grossistes qui, eux, détiennent tout le marché de l'importation du médicament. Sur les 500, il y a une trentaine qui ont le monopole, qui sont en situation de monopole. C'est le cas ou pas le cas? C'est pas le cas, Madame Souhila. C'est pas le cas. C'est-à-dire ce que dit ou affirme parfois l'UNOP par son représentant s'avère faux, le syndicat des pharmaciens. Tout à fait, Madame Souhila. Alors, je voudrais revenir avec vous un peu sur une autre question par rapport à la disponibilité des médicaments. Aujourd'hui, avec bien sûr les programmes qui viennent d'être signés, est-ce qu'on peut considérer que d'ici mars 2019, tout va rentrer dans l'ordre? Ça. Monsieur le ministre veille à la bonne exécution de l'exercice des programmes d'importation 2019. Est-ce que le ministère dispose d'un indicateur pour établir que la production nationale coûte moins cher que l'importation sur le marché national? Indicateur, c'est-à-dire, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire des baromètres pour être certain que ce que nous produisons, et par rapport à ce qui est importé, la production nationale coûte moins cher. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Il y a un comité économique justement qui est là pour traiter et étudier les prix. Et automatiquement, le prix de la production nationale revient beaucoup moins cher que l'importation. Alors, Le rôle du comité économique. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit « Il n'y a pas de médicaments remplaçants pour chaque molécule manquante » et je parle là de médicaments à usage hospitalier, surtout dans les cas urgents, par exemple, pour certaines maladies qui sont extrêmement lourdes. Quel est votre commentaire, par exemple, pour le cancer? Nous importons pratiquement les 100% de médicaments, nous ne les fabriquons pas encore. Oui, il y a des projets de fabrication de anticancers en Algérie. Mais le directeur de la PCH et le ministère de la Santé veillent à la disponibilité de ce type de produit. Alors pour les bandelettes glycémiques, là aussi il y a eu à un moment donné une rupture de disponibilité de ce produit sur le marché. Pour les bandelettes glycémiques, il n'y a pas eu de rupture. Il y a deux producteurs nationaux qui ont été homologués et les décisions d'homologation ont été signées. Ils ont fabriqué suffisamment de stock pour la disponibilité sur le marché national. Ce n'est pas la bandelette qui était en rupture, c'était les marques qui étaient en rupture, Madame Souhila. Et le ministère de la Santé, pour la signature des programmes d'importation, il a accompagné les opérateurs qui ont réellement investi en Algérie et a eu deux inspections pour vérifier l'état d'avancement de ces opérateurs dans leur projet. Il y avait l'inspection du ministère de la Santé et l'inspection du ministère de l'Industrie. Et c'est sur la base de ces deux rapports
que le ministère de la Santé a libéré les programmes d'importation prévisionnelle pour les bandelettes réactives. Il n'y a pas de rupture de bandelettes, c'est vrai, il y a des marques qui ont disparu, mais les producteurs nationaux, ils sont là et ils ont mis à la disposition des malades en quantité suffisante ces bandelettes. Mais elles sont disponibles et fabriquées localement actuellement? Tout à fait, madame. Toutes les bandelettes qui sont commercialisées sont fabriquées localement? Il y a des bandelettes qui sont fabriquées localement, il y a d'autres qui ont été importées, mais on a favorisé les opérateurs qui ont avancé dans leur projet de production. Et ça s'est fait sur la base des deux rapports du ministère de la Santé et du ministère de l'Industrie. Alors, un auditeur voudrait revenir un peu sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Il dit, est-ce que j'ai mal compris? Elle parle du programme d'importation de 2017 qui vient d'être libéré pour 2018, c'est ça? Pour avoir plus d'explications? 2018, c'est pas 2017. 2018. J'ai parlé des programmes prévisionnels 2018 et les programmes prévisionnels 2019. J'ai pas parlé des programmes 2017. Alors, autre question qui est de l'auditeur qui vous dit que les distributeurs, répartiteurs, ainsi que les pharmacies souffrent d'un sérieux problème de gestion de leur stock. Est-ce que c'est le cas? Leur gestion de leur stock. Alors, les stocks, donc le pharmacien directeur technique des opérateurs pharmaceutiques est tenu à déposer l'état de stock mensuellement. Donc les états de stock sont déclarés par les opérateurs eux-mêmes. Il dit tout ça est dû à l'absence du code à barre sur les boîtes en carton. Ça n'a rien à voir avec les stocks, les codes à barre. Est-ce qu'il est réel que parfois, parce qu'on voit par exemple les mesures que sont en train d'être prises au niveau de la CNAS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, c'est qu'on essaie de rationaliser au maximum la dépense du médicament parce qu'on considère que les Algériens gaspillent énormément. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas? Et est-ce que vous travaillez avec le secteur de la sécurité sociale? Parce qu'il était question d'aller vers la contractualisation qu'on ne voit toujours pas arriver. Tout à fait. On travaille en étroite collaboration avec la CNAS. On a un membre de la CNAS qui siège avec nous au niveau du comité économique. Et on a un membre du ministère de la Santé qui siège dans le comité de remboursement avec la CNAS. Pour dire que les Algériens gaspillent les médicaments... Je ne peux pas répondre à cette question. Moi, personnellement, je n'achète pas de médicaments sans prescription médicale. Mais est-ce que la rationalisation de la dépense est à l'origine de ces tensions sur le médicament? On essaie de réduire pour réduire la facture d'importation du médicament ou alors la priorité, c'est la santé publique? La priorité, c'est la santé publique. Je vous ai dit que selon les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, on n'hésite pas les moyens quand il s'agit de la santé du citoyen algérien. Mais par contre, vous reconnaissez qu'il y a un problème d'indisponibilité de certains médicaments sur le marché. Ça, c'est une réalité, vous le savez. Oui, mais ce n'est pas les médicaments essentiels, madame, vous savez. Madame Watfa Benayed Chérif, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.